Et bien bonjour à tous, c'est Tommy759 qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto redstone comme vous avez pu voir dans la miniature. Donc ce qu'il faudra faire, il faudra faire attention, bien suivre tout ce que je dis. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin de blocs de quartz, de distributeurs, de torches de redstone bien sûr. Il vous faudra un coffre. Un coffre normal, pas un coffre piégé. Un coffre. Il vous faudra un entonnoir. Il vous faudra le distributeur, je l'ai déjà dit. Et il vous faudra du répéteur. Donc là, déjà, c'est bon. Vous avez ce qu'il faut. Alors, vous allez prendre. Déjà, on va se reculer. Vous allez prendre un entonnoir que vous allez placer là. Et vous sneakez, vous allez en placer un là. Alors, excusez-moi, j'ai mal fait mon truc. Vous allez les placer ici, un là, en mode, je viens de me tromper, donc déjà il va faire nuit, donc on va taper la commande, time set, on va taper la commande time set day, voilà, comme ça, il fait pas nuit. Alors, donc, vous allez prendre un coffre, vous allez le placer là. Vous allez prendre. Vous pouvez prendre. Vous pouvez faire un coffre ou un double coffre, hein, c'est ok, vous voyez. Moi j'en ferai un double. Voilà. Ensuite, bon, je vais reboucher ça là. Voilà, ici. Prenez ça, un bloc. Là, vous prenez. Est-ce qu'on a la place pour un entonnoir, non? Tac. Voilà. Cet entonnoir, vous pouvez le supprimer. Celui-là aussi. Donc voilà. Je viens de me fail. Donc on va se sneaker. Donc là aussi, pareil. Voilà. On va supprimer cela. Voilà. Donc là, c'est bon. Les entonnoirs bien positionnés comme ça. Ensuite, un là. Vous sniquez un là. Et un là. Maintenant. Alors, W. Vous allez prendre. Bloc de quartz. Je vais en mettre. Excusez-moi. Il a fait ça. Il s'est trompé. Voilà. Tac. Prenez une torche de redstone, vous la placez là. Prenez un répéteur. Excusez-moi, vous prenez un répéteur. Comment on fait déjà? Ouais, c'est par là. Donc W1. Voilà. Je sais pas si ça va être bon. Est-ce qu'il est bon? Ouais, c'est bon. Ça passe. Alors, on en est à combien? Trop les bon, ça va. On prend la partie W. Donc, ce que vous allez faire, est-ce que j'ai mis la torche ici? Ouais, je crois que je l'ai mise. Vous allez prendre un comparateur. Ouais, un comparateur. Dans redstone, vous allez prendre la redstone prolongée jusqu'à là. Alors, maintenant, s'il y a la torche, si vous posez là-dedans quelque chose, il ne descendra pas. Donc là, si vous posez un truc. Alors attendez 2 secondes, pourquoi ce répéteur? Voilà, bah voilà. Alors, mince, qu'est-ce que je suis con, moi? Bon. Donc, on va devoir replacer. Un bloc ici. Parce que Tommy a fait son malin.
Et on va supprimer ça. Donc, ici, ensuite, jusque-là, c'est bon. Alors, ensuite, faites un peu de place. Donc, vous allez prendre ça là. Voilà. Voilà. Et l'item que vous voulez, qui vous donne pour échanger. Moi, je vais prendre. Je vais prendre ça. Où est-ce qu'il se trouve? Alors, attendez, je vais réfléchir à un truc et je vous retrouve tout. Ouais, donc, non, j'ai fait ça à 2 ans parce que je pensais que ça allait pas marcher. Mais ça... Alors, vous prenez l'item que vous voulez changer pour moi, ce sera ça. Voilà. Alors là, vous allez dans celui-là. Vous allez prendre, vous allez remplacer. Alors. Alors, ça va être un peu long à faire. Je vous retrouve. Donc c'était, voilà, fallait faire des staffs. Alors là, vous allez en mettre. 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi pour la petite truc. Ici, ça, il faut les renommer. Donc, vous prenez une non plus. Enfin, je pense que je vais faire un. Ouais, c'est bon. Alors, il faut renommer ça. Donc, ça, vous allez l'appeler Z. Voilà, vous allez l'appeler comme ça. Alors, excusez-moi. Il faut tout renommer n'importe comment. Voilà. 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 Renommer n'importe comment. Mais il faut pas que ça s'appelle bloc de redstone parce que si le mec il vous met un bloc de redstone, ça va vous faire bugger votre système. Ok, donc. Et là, ça, vous le mettez là. Entrez. Voilà. Et vous le posez là. Donc, bien sûr, il faut le remettre là. Donc, vous mettez ça là, ça là. Ça va, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là vous mettez votre item que vous voulez, voilà, donc là je ne pense pas que ça active la redstone là-bas, non, désormais si vous mettez, alors je vais prendre du diamant, où est-ce qu'il est déjà ce truc là? Voilà. Si vous mettez ça, et bien il sera là. Si vous mettez là du diamant, et bien déjà il va pas aller là. Voilà. Et vous allez voir qu'il va être dans l'entonnoir d'en dessous. Voilà. Et le coffre, je me suis fail, il ne va pas. Ici, il faut tout le temps que je me fail. Pas plutôt là, là. En E, vous allez prendre bas votre coffre. Alors moi, je vais le chercher. Oula. Voilà. Coffre. Voilà. Alors. Là, le système est presque prêt, et prêt à moitié, on va dire. Donc, il suffit juste de prendre un bloc de quartz, de le mettre là. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de torches de redstone.
Alors, 1, vous allez placer un bloc de quartz ici. Vous allez placer. Et là, vous allez placer une torche qui va être, qui va s'éteindre. Et donc, là. Encore un. Alors là, encore un. Et ici, au-dessus de la torche, vous allez faire ça. Alors, je vous retrouve tout de suite quand c'est bon. Je vous remettrai le truc. Ok, alors à tout de suite. Donc voilà, c'était un petit problème. Il n'y avait pas de problème, je voulais être sûr de quelque chose. Ça ne captera pas. Alors, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez placer un bloc. Et là, de la redstone. Et du coup, là. Et je sais pas pourquoi j'ai des élites dans l'inventaire. Tac. Voilà. Donc là, c'est désactivé. Vous mettez votre bloc de redstone là. Excusez-moi, et là. Non, pas comme ça. Excusez-moi, tac. Voilà. Votre distributeur ici. Ici, vous pouvez mettre votre coffre. Ici, un autre coffre. Là, et là, pour cacher tout ça, vous pouvez mettre des blocs là. Alors ici, l'item que vous voulez changer, donc par exemple, vous contre un diamant, vous pouvez mettre, je sais pas moi, alors déjà, ici, vous allez cacher ça comme ça. Ah oui, alors déjà, juste pour une idée, j'ai deux chaînes à créer, que je vais créer, je vous mettrai tout ça dans la description. Une chaîne que pour Minecraft et une chaîne avec Roman Jingle, que je vous avais présenté dans une vidéo. Alors, et on va les créer, et je... Voilà. Alors ça, ce sera le coffre où vous récupérerez vos items hors les trucs. Alors, du coup, le distributeur, je vous conseille. Alors là, on va mettre ce qu'il vous donne en échange. On va dire qu'il va vous donner un diamant contre une pomme dorée, pas cheat. Non, contre une... Voilà, un diamant. Ah non, contre une pomme dorée classique. Donc là, vous allez mettre une pomme dorée. Donc du coup, là, si vous mettez un diamant, voilà. Ah voilà, bah voilà, on peut les prendre comme ça. Voilà. Si ici, vous mettez un diamant, et voilà, j'ai ma pomme dorée. Donc on va en mettre beaucoup quand même, des pommes dorées. Voilà, je mets tout ça. Alors 3-1, allez, j'y suis presque. Tac. Voilà. Et les élites là. Du coup, ici on va mettre toutes les pommes dorées. Et le diamant, on le garde. Donc, du coup, là, si vous mettez, je sais pas, un bloc de
quartz. Excusez-moi, le coffre qui est là. Alors, si dans cet entonnoir, voilà, vous allez prendre votre coffre que vous allez mettre là. Et cet entonnoir, en vous sniquant, vous le mettez là. Donc, du coup, là. Ça. Ça, ça on peut le cacher. Et la barrière, vous la mettez là. Donc du coup, si vous mettez ici autre chose que du diamant, vous le retrouverez ici. Donc ici, alors qu'ici, si vous mettez... Enfin, excusez-moi, ici, si on mettait ça là. Donc, si vous mettez, du coup, alors la vidéo est un peu longue pour un truc, juste un petit échange d'items, mais c'est quand même important. Alors là, voilà, échappe. Si, si, vous mettez un bloc de redstone. Ah, mais... J'en ai marre! Je vais reprendre. Pourquoi je détruis tout moi? Coffre, voilà. Si vous prenez un coffre, vous le posez là. Et voilà. Donc si vous, ici, là, vous posez un bloc de redstone, vous allez le retrouver ici. Voilà, donc cette vidéo est terminée, malheureusement, hein, allez voir sur la nouvelle chaîne, je vous dis à plus tard, ciao ciao!